Je crois que la question qui se pose aujourd'hui autour du développement durable, ça n'est plus la question du pourquoi, mais la question du comment. C'est-à-dire que la prise de conscience est là, elle est là dans la société, elle est là dans les entreprises. La difficulté maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour accomplir cette transformation durable des modèles d'affaires des entreprises. Et c'est évidemment notre responsabilité d'acteurs du conseil et de créateurs de solutions que d'essayer d'accompagner au mieux les entreprises dans cette transformation extrêmement exigeante. Ce que nous révèle l'étude, on conduit chaque année Accenture une étude auprès des grands, des PDG des grandes entreprises mondiales pour le compte des Nations Unies et du Global Compact, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus seulement la question du climat ou du CO2 qui occupe les directions générales, c'est la question de la biodiversité qui est déjà à l'agenda, c'est aussi la question de l'équité, c'est-à-dire de l'accès, de l'accessibilité aux besoins essentiels que sont l'alimentation, l'eau, le logement, l'énergie, le numérique. Voilà. Et du coup, ça demande de repenser un petit peu l'agenda qui ne se pense plus en termes de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, qui serait un petit peu la somme de tous les enjeux que je viens de lister, mais vraiment en termes de survie et de résilience du modèle d'affaires des entreprises au regard des enjeux environnementaux et sociaux, et notamment renforcés par le contexte géopolitique actuel. Nous sommes donc face à une nouvelle vague de transformation majeure qui nécessite une action à tous les niveaux de l'entreprise, voire dans certains cas une évolution des business models de façon à y intégrer les éléments de durabilité nécessaires en matière de respect de l'environnement et d'inclusion sociale. Et comme souvent, dans ce type de circonstances, c'est avant tout un enjeu de données. Données dont la qualité et la granularité seront déterminantes dans l'identification de la trajectoire de durabilité, la mesure des progrès et le ciblage d'impact. La technologie et la data sont des alliés dans la gestion des crises. On l'a vu avec la crise Covid, on le voit aujourd'hui avec la lutte contre le réchauffement climatique. Quand je dis technologie, je dis toutes les technologies, la data, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud. On voit bien qu'il est assez compliqué de penser aujourd'hui l'efficacité énergétique sans capacité de mesurer la consommation avec de l'IoT dans les processus industriels, avec des systèmes de capteurs, avec de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il est très compliqué de faire de la traçabilité sans avoir des plateformes pour collecter la donnée depuis la matière première jusqu'à sa distribution et de technologies comme la blockchain pour sécuriser le partage d'informations. On voit qu'il est impossible de penser le reporting extra-financier ou la performance extra-financière sans plateforme, sans collecte de data. Donc en fait, on voit bien que la technologie est un allié, vient soutenir la transformation durable et les entreprises qui sont les plus avancées aujourd'hui dans la digitalisation et dans le cloud sont les entreprises qui sont le mieux à même de réussir leur transformation durable. Aujourd'hui, nous constatons que la recherche de durabilité est devenue l'un des principaux moteurs de transformation digitale chez nos clients. Et que de façon réciproque, il n'existe plus de transformation digitale qui n'inclut pas cette dimension. C'est bien la raison pour laquelle, chez SAP, il y a maintenant un peu plus de 12 mois, nous avons décidé d'étoffer notre portefeuille de solutions cloud dédiées à la durabilité, notamment en ce qui concerne la gestion de l'empreinte carbone, mais également la mise en place de scénarios d'économie circulaire et le pilotage de la performance dans l'ensemble de ses dimensions financières et non financières. Par ailleurs, nous continuons à travailler avec nos équipes de développement à intégrer au sein de chacune de nos solutions les éléments de mesure de performance durable, que ce soit au niveau de la supply chain, de la gestion des voyages d'affaires, mais également le capital humain. La technologie a un rôle clé à jouer pour adresser les nouveaux cas d'usage exigés par le développement durable, pour pouvoir les adresser à la bonne granularité et également à la taille et à l'échelle des entreprises. Les différents cas d'usage sont
l'économie circulaire avec la gestion des déchets, des emballages et les nouveaux business models, l'empreinte carbone ainsi que l'empreinte climatique plus largement, la responsabilité sociale et le reporting extra-financier combiné avec le reporting financier. Nous avons déjà des engagements avec des clients sur ces différentes dimensions-là. Par exemple, avec un grand acteur de l'emballage européen, nous travaillons sur leur trajectoire pour le reporting extra-financier et notamment en fonction des réglementations avec la taxonomie européenne. Avec un acteur du luxe, nous travaillons sur leur trajectoire SAP pour pouvoir adresser les enjeux de traçabilité. Et avec un grand acteur de l'agroalimentaire, nous travaillons sur sa stratégie de l'achat responsable. Un autre exemple de comment la technologie peut nous aider. Un acteur mondial du secteur pétrolier dans la gestion de ses émissions de gaz à effet de serre. Il ne s'agit pas uniquement de mesurer l'empreinte carbone, mais également de pouvoir intégrer le résultat à l'intérieur des processus métiers pour aider les opérationnels dans leur prise de décision. Un dernier exemple de comment la technologie peut nous aider avec un acteur européen des biens de consommation dans sa transition vers une économie plus circulaire. En effet, avec l'augmentation des besoins de déclaration liés à la circularité économique, avec notamment la taxe plastique et la responsabilité élargie du producteur. Pour mener à bien cet accompagnement, la captation de la donnée et la gestion de celle-ci sont des enjeux majeurs. Fort de notre partenariat depuis de nombreuses décennies, SAP et Accenture travaillent depuis des années au niveau global pour définir ensemble une stratégie liée au développement durable. Nous accompagnons ensemble nos clients dans leurs projets depuis la stratégie jusqu'à la réalisation et l'implémentation de solutions liées au développement durable. Un premier exemple très concret de notre partenariat pour le développement durable est le co-développement Accenture-SAP pour la solution d'économie circulaire et la gestion des emballages et des réductions des déchets plastiques. Un deuxième exemple concret de notre engagement pour le développement durable est l'action d'Accenture avec SAP et les Nations Unies dans le programme SDG Ambition, où nous embarquons tout l'écosystème pour traduire les objectifs de développement durable en indicateurs métiers et qui vont utiliser les nouvelles technologies pour les réaliser.